Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre série de webinaires consacrée à l'optimisation industrielle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des dispositifs médicaux à sous l'angle de l'optimisation et la sécurisation des budgets et des plannings de développement. Alors pourquoi ces deux sujets? Vous le savez sans doute puisque vous êtes connecté, mais les budgets de développement dans l'équipement, dans les dispositifs médicaux peuvent représenter de 30 à 50% des coûts globaux d'un programme. Donc, coûts globaux d'un programme, c'est combien ça me coûte de le développer et derrière combien ça va me coûter de produire chacun des dispositifs, donc des montants conséquents. Et puis, pour ce qui est du planning de développement, eh bien, je pense que tous ceux qui ont raté une fenêtre de présentation d'un produit à Medica ou à un salon de Dubaï savent que c'est un sujet de la plus haute importance. Et on verra dans le cours de ce webinaire que finalement on peut aussi chiffrer le time to market, non pas seulement en j'étais en retard de 2 mois pour mon salon, mais aussi combien est-ce que concrètement ça m'a coûté. Alors, le webinaire va durer une trentaine de minutes. À l'issue de ces 30 minutes, il y aura un temps d'échange pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Pour les questions, vous pouvez intervenir à tout moment en utilisant l'onglet qui s'est normalement ouvert sur la droite de l'écran. Et puis sinon, il y a un bouton en haut à droite de votre écran pour le refaire apparaître. Donc toutes les questions sont bienvenues évidemment pendant le webinaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc il y aura des pauses de manière assez régulière pour pouvoir le faire. Alors vous êtes assez nombreux à vous être inscrits. Donc ces questions seront modérées par Federico. Merci à toi Federico. Alors ne vous offusquez pas si la question ne passe pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas intéressante. C'est soit qu'il y a des questions assez proches qui ont été posées, soit parce que c'est un point qu'on abordera plus tard dans le webinaire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ce que je vous propose comme agenda, c'est de faire une première partie sur les budgets et le planning en regardant quel est l'impact de ces deux sujets sur la rentabilité d'un projet en se basant sur la méthode la plus universelle qui est utilisée pour calculer la profitabilité d'un projet. On va faire ça assez rapidement et ensuite on rentrera dans un cas pratique. Donc, issu de l'industrie pour regarder finalement comment est-ce qu'on aborde concrètement sur le terrain et de manière pragmatique ce type de sujet. Alors, notez qu'à la fin du cas pratique, on fera un zoom rapide sur l'impact du Covid, parce que je pense que ça intéresse plusieurs d'entre vous. Et si d'ores et déjà il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on mette l'accent durant les 30 prochaines minutes, vous pouvez les faire passer à Federico via le chat et je m'efforcerai de faire ce focus. Et puis derrière, d'ici, voilà, on se prendra un moment pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Alors deux mots sur moi-même. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Guillaume, je suis directeur associé en charge du secteur santé chez IAC Partners. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'ai rejoint le cabinet. J'ai une cinquantaine de projets sur des équipements médicaux derrière moi et nombreux de ces projets, si ce n'est pas tous, en tout cas, ont un angle aussi budget et planning de développement. La modération sera opérée par Federico Pasquali, qui est consultant chez nous, et encore merci à toi. Alors, si vous voulez, on va commencer par le premier point, qui est de regarder quel est l'impact du budget ou d'un planning sur la rentabilité des projets. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on peut définir les termes du problème, hein, quelque part. Donc, c'est d'abord les dispositifs médicaux, de quoi on parle? Alors, on les classe de manière usuelle en trois catégories. Les dispositifs médicaux à usage individuel, donc les DMUI, l'équipement à proprement parler et les équipements de diagnostic in vitro. Donc dans les DMUI, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver
bon, bah, des pansements, des pompes à insuline, des prothèses, avec un paysage français, avec des noms que vous connaissez, hein, qui sont Urgo, qui sont voilà, Celnovo. Il y a tout un tissu aussi de PME sur ce segment, hein, qui représente à peu près quasiment les deux tiers des équipements, des dispositifs en France, avec des PME comme, on peut citer Technimed qui fait des prothèses par exemple. L'équipement, là, on va retrouver tout ce qui est imagerie, notamment avec des grands noms comme GE Healthcare ou Samsung. Et puis sur le diagnostic in vitro, là, c'est les Roche Diagnostics, les Abbott et les bioMérieux. Alors, évidemment, le budget de développement d'un pansement n'est pas le même que celui d'un scanner. Les problématiques sont différentes. Ce n'est pas forcément plus facile de développer un pansement qui marche, notamment si vous êtes sur par exemple, des pansements pour des grands brûlés. Mais on est sur des montants très différents. Alors, l'angle qu'on va investiguer, c'est un. Comment est-ce que je réduis et je vais sécuriser mes budgets? Alors, il y a un terme qui va revenir, c'est les non-recurring costs. Donc, c'est les coûts non récurrents de développement, c'est-à-dire que c'est ce que je vais dépenser au départ. Donc, c'est le sigle NRC que vous verrez dans les planches suivantes. Et le deuxième axe, c'est d'optimiser le planning de développement, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que mon produit sorte plus vite et que j'accélère mes revenus. Peut-être quelques ordres de grandeur. Il y a des études qui sont parues et qui sont vérifiées, hein, je pense que vous le connaissez puisque vous êtes dans le métier. C'est de développer un équipement, voilà, dans l'imagerie ou dans du diagnostic in vitro sur un grand programme. Ça va coûter entre 20 et 80 millions d'euros et ça va durer de 4 à 7 ans. Quand on est sur du dispositif médical à usage individuel, tout dépend de la classe dans laquelle on se situe. On n'est pas forcément sur les mêmes montants, mais la durée peut être la même. Et derrière, on peut avoir des effets gamme qui font qu'on a ces enjeux de time to market qui reviennent plus fréquemment. Alors, on a parlé de profitabilité des projets. Il y a une méthode assez standard qui est utilisée dans l'industrie, qui est celle de la NPV, donc la Net Present Value, et qui finalement va mesurer la rentabilité d'un projet sur une période donnée. Donc la question, c'est entre ce que je vais dépenser et ce que ça va me rapporter au bout de 10 ans, bah, qu'est-ce que j'ai gagné sur ce projet-là? Donc c'est la courbe bleue et la courbe verte ici. Donc la courbe bleue, ça va être le standard et la courbe verte, c'est ce qu'on va essayer d'atteindre. Donc qu'est-ce qu'on fait très concrètement? On mesure les cash flows, c'est-à-dire les sorties, les rentrées d'argent tout au fil du temps du programme. Donc à partir du moment où au début, on voit que ça se creuse parce que je dépense de l'argent pour développer mon programme. Et puis la courbe se redresse quand je vais vendre mes produits et donc avoir des rentrées d'argent. La courbe s'aplatit, vous le notez, parce qu'il y a un taux de ce qu'on appelle un taux de discount, et que ça, en fait, ça vient juste mesurer que 1 euro que je gagne dans 10 ans n'a pas la même valeur qu'un euro qu'on me donnerait tout de suite. Donc c'est généralement avec ces outils-là, donc de Net Present Value, ou en français c'est VAN, hein, la valeur actuelle nette d'un projet, qu'on va mesurer si mon projet, bah, à la fin, au bout de 10 ans, il m'a rapporté de l'argent ou bien plus, il m'a coûté de l'argent. Donc derrière, une fois ceci dit, si on veut améliorer la profitabilité d'un projet, on va essayer de passer de la courbe bleue à la courbe verte. Alors, quels sont les moyens d'y parvenir? Le premier moyen, c'est de réduire le creux de la vague, c'est-à-dire ce qu'on appelle réduire les non-recurring costs, les budgets de développement. Ça va être que le projet nous coûte moins à développer que ce qui était prévu. Le deuxième, ça va être d'optimiser le planning de développement pour que la courbe se redresse plus vite, c'est-à-dire que j'ai des rentrées d'argent qui arrivent plus rapidement dans la vie du projet. Et puis, bah, le troisième, c'est que de maximiser le cash flow, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vends un produit, bah, il me rapporte plus que ce qui était prévu. Donc là, ça peut se traiter soit par je vais le vendre plus cher, ou je vends des services en plus, ou par la réduction des OPEX, donc c'est les coûts de production et de vie du projet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse aux deux premiers, donc réduire les non-recurring costs. Je vous l'ai dit en intro, hein, ça peut représenter de 30 à 50% des coûts globaux d'un programme, et puis d'optimiser le planning de développement.
Alors, ce qui est souvent compliqué, c'est qu'on est dans le fameux triangle coût, délai, qualité que chacun connaît. Et derrière, au fur et à mesure du projet, on va le voir, il y a des arbitrages à faire entre, par exemple, planning et coût. C'est-à-dire, j'ai identifié un potentiel pour réduire le coût de mon produit de X euros. Maintenant, ça va me prendre 2 mois de le faire. Est-ce qu'il faut le faire? Et donc ça, derrière, avec cette méthode-là, qui finalement vient objectiver chacune des mesures, on est capable de faire des équivalences. Et je vous donne un exemple qu'on a vu sur un projet, où finalement on se rend compte que si sur le coût de l'instrument, on a un potentiel de 100 euros de réduction, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vendre un produit, je vais gagner 100 euros de plus que si je ne le faisais pas, ça représente en termes de valeur, de profitabilité du projet, un équivalent de 2 mois du time to market. Donc si cette idée-là de se dire je vais changer par exemple une pièce ou un sous-ensemble, si ça me prend 2 mois et demi de le faire, eh bien, il ne faut pas le faire. Et ça peut paraître comme ça contre-intuitif, mais il faut essayer d'avoir ces équivalences en tête. Et de la même manière, 2 mois de time to market, c'est comme si on avait gagné 1,5 million de budget de développement. Donc chaque semaine qui court ou qu'on perd au fur et à mesure du projet, quelque part, on est capable de la chiffrer en termes de perte d'équivalence budget de développement. Alors, est-ce qu'il y a de premières questions à ce stade? Non, et bien à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de passer directement dans un cas concret sur comment finalement on va s'occuper d'optimiser ces NRC et ce planning de développement. Alors, le cas pratique, je vais vous mettre en situation. Imaginez-vous donc dans une entreprise du dispositif médical française, vous avez un directeur de programme qui s'est engagé auprès de son comité exécutif sur un budget de développement et un planning de développement ferme. Donc, il s'est engagé sur un développement qui allait lui coûter environ 35 millions d'euros et une date de lancement du produit à fin 2022. Donc il rentre, il est content, le comité exécutif s'est très bien passé. En revanche, il a un caillou dans sa chaussure qui est que sur les 3-4 derniers projets de développement de l'entreprise, il y a eu des dérives et budgétaires et de temps. Et des dérives budgétaires qui sont pas mineures de quelques dizaines de milliers d'euros, mais qui sont de l'ordre de plus 20 à plus 40% de coûts de développement. Donc on parle de dizaines de millions d'euros de dérives. Et il sent bien que les causes de ces dérives passées n'ont pas disparu comme par magie, et donc il y a un fort risque sur son programme. Donc le projet intervient après 1 an de développement, donc on est dans les phases préliminaires, et la demande de ce directeur de programme, c'est auprès d'une équipe projet, donc constituée de consultants et puis de membres de l'équipe, de savoir si finalement, est-ce qu'on est bien sûr qu'on va arriver à ces 34 millions d'euros et est-ce que la date de 2022, elle est bien ferme. Alors comment ça se passe? Assez rapidement, on est capable de tracer cette courbe-là. Donc, vous avez en pointillé ce qui est le budget prévisionnel. Donc, de se dire, ça, c'est ce qu'on est censé dépenser chaque année pour arriver aux 34 millions d'euros. Et puis, la fin du projet, c'est décembre 2022 et le lancement du produit. Et ce qui semble plutôt rassurant au premier abord, c'est que là, on est au bout d'un an et demi de projet et que la courbe du budget consommé suit bien la courbe de budget prévisionnel. En revanche, en creusant un peu, on s'aperçoit que derrière, il y a un vrai souci qui est que on est capable de tracer combien on a consommé. C'est-à-dire, c'est assez facile de savoir que les gens ont chargé dans leur feuille de temps, dans leur timesheet, que ça, c'est plutôt bien fait, et que effectivement, jusqu'ici, on a dépensé quasiment 10 millions d'euros, et donc on est en ligne. En revanche, ce qu'on n'est pas capable de tracer, c'est est-ce que, on a dépensé à peu près un tiers du budget, mais est-ce qu'on a bien réalisé un tiers des activités? Ou bien un peu plus, c'est-à-dire qu'on est en avance et tout va bien, ou alors pas du tout, et à ce moment-là, on est en retard. Et c'est là qu'apparaît le principal souci, c'est qu'on a une bonne vue sur ce qu'on a dépensé, mais pas du tout sur les livrables. Et donc, à ce stade, on n'est pas capable de savoir combien de temps le projet va encore durer, ni combien il va coûter. Et donc, cette absence de traçage
ou de mise en relation entre les activités et le temps, enfin les activités et le temps et le budget dépensé, c'est ce qui crée cette incertitude à la fois dans le budget et dans la durée. Donc la première étape, c'est finalement de remonter, de dire il y a un risque majeur, puisqu'on sait combien on a dépensé, mais on ne sait pas combien il reste à dépenser, ni combien de temps ça va prendre. Alors, je ne sais pas si ça évoque ou si ça vous rappelle des choses dans vos entreprises respectives, mais ce n'est pas un cas isolé. Cette façon de mesurer finalement combien on a dépensé en mode budget, mais et de ne pas le corréler fortement avec les activités. Alors derrière, comment est-ce que l'équipe aborde le projet? La première étape, donc ça va être en trois étapes. La première étape, ça va être de consolider, donc de reconstruire un budget et un planning réaliste en se basant sur un value stream mapping, donc en reprenant les activités. C'est-à-dire de se dire, c'est pas j'ai un budget au hardware de 5 millions pour faire mon produit, c'est plutôt il faut que je fasse telle et telle et telle étape. Et ça va me prendre tant de temps, ça va me coûter tant. Et en additionnant finalement la somme de toutes les activités, de toutes les fonctions du projet, on va arriver à quelque chose de réaliste. Donc ça va être reconstruire la bonne photo de départ. Première étape. La deuxième, c'est sur cette photo de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire en théorie, il y a forcément des risques. C'est-à-dire des choses qui peuvent mal se passer. Ça peut être des risques, on va le voir, hein, des risques technologiques. Des risques sur les spécifications de changement de marché, des risques dans la certification du produit. Donc ça, il va falloir les évaluer et derrière, savoir les prévenir. C'est-à-dire que, bon, il y a des risques, on le sait, de toute façon, c'est inévitable, mais on sait à peu près où ils peuvent survenir et on est capable de, quand ils vont arriver, on saura les gérer. Et derrière, à la fin de cette phase 2, on a un beau papier, on va dire, on a une bonne photo de départ, on sait ce qui peut dériver et ce qu'on doit faire pour pas que ça arrive. Et ensuite, pendant les 4 à 7 ans qui viennent, il va falloir le piloter. Donc là, en l'occurrence, c'est pendant les 2 ans et demi qui restent sur la fin de vie de ce projet-là. Alors, on va commencer par la première phase qui est de consolider, donc de retrouver une bonne photo de départ. Donc, c'est ce qu'on appelle consolider le planning de développement. Alors, comment est-ce qu'il faut aborder cette étape-là? Je pense qu'il y a deux points principaux. Le premier point, c'est de travailler sur une logique d'activité. Donc, pour ça, le mieux, c'est d'utiliser, il y a une méthode qui s'appelle le value stream mapping, qu'on peut faire sous Visio, mais comme on l'a montré là, mais il y a plein d'autres softwares qui existent. Et puis même, on peut le faire sur papier si on préfère. On commence toujours par là, de toute façon. Et donc, c'est d'avoir l'enchaînement des activités, donc dans une logique client-fournisseur. Dans une logique client-fournisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas forcément le hardware qui dit pour développer le produit, il faut que je fasse ça, ça, ça. Ça va être les clients du hardware, donc par exemple le manufacturing, les achats, qui vont dire. De ta part, fonction hardware, pour que le projet puisse se poursuivre de la meilleure manière, j'ai besoin de tel et tel livrable. Et donc, c'est dans cette logique le hardware ne devient plus une fonction qui pousse des choses, il devient le fournisseur de ses différents clients. Et donc, ces activités vont avoir pour but de fournir les bons livrables à ces différents clients. Donc, le premier point, c'est vraiment ça, c'est de travailler sur un mode activité. Donc, de regarder vraiment qu'est-ce que je dois faire pour que le projet aboutisse. Et le deuxième, c'est en phase de ces activités, il va falloir chiffrer, c'est-à-dire savoir combien est-ce que chacune de ces activités va me coûter et combien de temps elle va durer. Et là, le point d'attention, c'est vraiment de regarder l'homogénéité des chiffrages. L'homogénéité des chiffrages, puisque ce qui se passe souvent, c'est qu'on va le chiffrage d'un projet, c'est une étape Allez, disons-le, qui est très, très, très largement sous-estimé. Comment ça se passe? Vous avez un chef de projet qui va aller à la pêche au chiffrage dans les différentes fonctions, qui va aller voir le hardware, il va lui dire, chiffre-moi
combien ça va coûter de développer ta partie. Il va aller voir le software, il va dire, bah, toi, combien ça prend. Il va aller voir les affaires cliniques. Bon, la certification, c'est combien de temps et tu mets combien d'équivalents temps plein dessus, etc. Et chacun va envoyer, hein, qui va envoyer un email, un autre un Excel, l'autre qui va le dire à l'oral dans une réunion. Enfin, bon, et finalement, on va se retrouver avec des chiffrages qui seront tous en euros, en FTI, mais dont la construction a été très différente. Et là, ce qui est vraiment important, c'est que chacun ait le même spectre d'analyse qui soit, je regarde combien de temps ça va me prendre pour fournir les délivrables à mes clients internes et je vais mettre en place bah, des équivalents temps plein ou des durées d'activité et que je vais pouvoir chiffrer de manière homogène. Donc ça, c'est ce qui est vraiment. Donc voilà, finalement, les résultats de cette phase-là, c'est on a l'enchaînement des activités avec une logique client-fournisseur interne. On a, pour la vue time to market, on va dire planning, on est capable maintenant de voir si les jalons clés ou les livrables clés qu'on s'est définis correspondent à ce qu'on avait anticipé ou ce qu'on avait prévu au départ. Et puis, on a une bonne vision finalement des livrables qui sont attendus et de ce que doit faire le fournisseur interne pour le faire. Et là, ce qui en ressort, bah, c'est la vision du programme, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, combien de temps ça prend et combien ça me coûte. Et déjà là, ben on s'aperçoit que souvent, il y a un écart quand on reprend cette logique activité entre ce qui était prévu et la réalité une fois qu'on a été creusé dans chacune des fonctions. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Bon, alors une fois ceci fait, on va travailler maintenant à la sécurisation, c'est-à-dire l'analyse des risques, de se dire bon bah maintenant voilà, on a une bonne vue du programme de développement, combien ça coûte, combien de temps ça prend, et on va travailler sur les risques, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer et si ça se passe mal, combien ça va me coûter ou combien de temps je vais perdre, et derrière qu'est-ce que je dois mettre en place comme mesure de sécurisation. Alors concrètement sur le terrain, comment ça se passe de manière pragmatique? Bah, c'est des sessions de travail, on va aller voir chacune des fonctions. Donc typiquement là pour un équipement, le hardware, le software, les affaires cliniques, la qualité, la partie documentation, la validation. On n'a pas mis le manufacturing, mais qui entre là aussi. Et on va essayer de trouver une échelle de mesure de risque qui va se baser sur, par exemple, la technologie. Est-ce que je suis sur une technologie très connue ou est-ce que je suis sur des technologies de rupture? On va se baser sur l'historique. Par exemple, est-ce que sur cette fonction-là, j'ai un historique de dépassement ou pas? On va se baser sur la méthode de chiffrage. Savoir, est-ce que j'ai utilisé une méthode de chiffrage correcte, basée sur les activités, ou bien est-ce que j'ai fait un chiffrage à la volée? Ici, par exemple, vous prenez le software dans ce cas précis, vous voyez qu'il est dans le rouge. Pourquoi? Bah, d'une part, les derniers programmes qui avaient dérivé, c'était à cause du software. Donc c'est cette fonction-là qui a dérivé. Donc on se dit, s'il n'y a pas eu de changement majeur dans l'organisation, bah les causes racines sont encore présentes. Et surtout, c'est dans la méthode de chiffrage qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et la méthode de chiffrage, ça avait été simple, hein, et j'imagine que peut-être certains d'entre vous se retrouveront. Donc là, on parle entre 7 et 10 millions d'euros de coûts de software développement. Ce qui s'est dépassé, ce n'était pas. Une logique activité, c'était plutôt de dire, bah, sur les derniers développements, on a dépensé entre 7 et 10. Donc on va mettre à peu près au milieu, on va mettre 9. Et bah, ça sera notre budget max. Et derrière, bah, on va essayer de faire rentrer tout ce qu'on nous demande dans ces 9. Et au cours de l'interview là, de l'équipe projet avec le software, ce dont on s'est aperçu, c'est que le marketing avait développé toute une liste de features en rupture et que ça ne pouvait pas rentrer dans les 9 millions d'euros qui avaient été prévus. Donc derrière le prince le il y a eu un gros axe de travail sur le software. Alors, sur le software, sur quoi on a travaillé? Par exemple,
Bon, l'un des axes principaux, je vous l'ai dit, ça va être de travailler sur, ça a été de travailler sur, donc sur ces fameuses features. Et c'était de se dire, bon, la situation est la suivante. Avec le budget qu'on a, donc si on veut atteindre les 34 millions d'euros, on ne peut pas, de manière réaliste, développer les 75 features must-have, donc obligatoires, qui nous sont demandées par le marketing. Donc maintenant, comment on fait? Comment on fait? Il va falloir arbitrer, c'est-à-dire de se dire, dans ces 75, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Et pour ce faire, il a fallu travailler à la fois d'un côté avec le marketing, en disant, les 75, on ne va pas dire c'est un bloc de 75, c'est plutôt une liste de 1 à 75 de priorités. Donc il y a la plus prioritaire, la deuxième plus prioritaire, et puis derrière, il y a la 75e moins prioritaire. Et ensuite, on fait des choix en essayant de se remettre dans une logique d'analyse de la valeur et de net present value. Donc c'est la fameuse méthode dont je vous parlais au départ. Donc ce qu'on a fait, c'est finalement un gain culturel pour les deux fonctions. C'est-à-dire que le marketing comprend lors d'un de ces workshops, chacune des features que j'ai demandé, elle est pas gratuite. Derrière, c'est un certain nombre d'activités et ça va prendre tant de temps et ça va coûter tant de millions. Et de l'autre côté, le software réussit à obtenir du marketing une priorisation de ces fameuses spécifications. Et derrière, on est capable de faire un choix entre ce que la feature, ce que la spécification va apporter au client, et derrière de ce qu'elle va coûter. Et là, comme bon, on est déjà suffisamment rentré dans le projet, donc la façon de travailler, c'est de dire qu'est-ce que je suis capable de faire rentrer aujourd'hui dans les 9 millions? Et on se dit, je vais faire rentrer les spécifications qui ont le plus de sens, et donc sur lesquelles on a le meilleur équilibre entre la valeur perçue par le client que ça va apporter et le coût de développement. Voilà, donc à l'issue de cette étape-là, on a finalement une baisse du risque puisqu'on a fait rentrer dans le produit les bonnes features et puis il y a 11 spécifications qui sont repoussées pour une deuxième version parce que, un, ça ne permet pas d'atteindre le budget et le planning de développement. Elles conservent un intérêt, mais on sera capable de les faire que plus tard. Alors il y a quelques questions. Alors, jusqu'à quelle étape du process de développement est-il encore possible d'influer sur le coût et le planning? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, plus on intervient tard, moins c'est possible d'influer sur le budget et sur le planning. Si on est déjà en phase de certification, que toutes les spécifications, tous les designs sont bloqués, il reste malheureusement plus grand-chose à faire. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas que je viens de vous montrer, où on a peu de visibilité sur ce qui reste à faire, à la fin, on se retrouve dans une logique d'urgence. On se dit, décembre 2022, c'est dans 6 mois. Il va falloir qu'on coupe des choses ou qu'on paye plus cher pour éviter de louper cette date-là. Donc, ça sera ce qu'on fait en fin de projet, quand on est dans l'urgence, c'est des arbitrages, c'est-à-dire soit on prend de la sous-traitance qui va coûter plus cher, donc on creuse son déficit pour rapprocher le délai de lancement, ou bien on va faire des arbitrages sur la qualité. On se dit, telle et telle feature, je ne vais pas les embarquer sur mon produit parce que j'ai pas le temps. Et donc, on va dire, ce sont des mauvais compromis. La meilleure période pour le faire, c'est honnêtement avant le lancement du programme, ou en tout cas en phase, ce qu'on appelle souvent les phases 0 ou les phases 1, c'est-à-dire quand on a défini un concept de produit. Et donc là, les différentes fonctions de l'entreprise, hardware, software, etc., sont capables déjà de se projeter sur des activités à réaliser pour aboutir à ce concept-là. C'est dans ces moments-là qu'on va avoir le plus d'impact. Ensuite, on est toujours capable d'intervenir plus tard, mais ça sera plutôt en mode pompier et pour des gains qui peuvent être marginaux. Donc, ma recommandation, c'est vraiment le plus tôt possible. Les contraintes normatives génèrent souvent des délais incompressibles. Quelle est votre approche concernant les plannings de certification? Alors, effectivement, quand on est dans le dispositif médical, il y a des contraintes exogènes qui sont en particulier la certification. Et le but vraiment de ces approches, c'est pas de dire on va rogner sur la qualité ou
on va transiger sur la certification des produits ou filouter pour accélérer. C'est vraiment de travailler sur l'ensemble de ce qui est dans nos mains, parce que bon, il y a des organismes externes qui interviennent, mais sur un programme de 4 ans, on va parler de 6 à 8 mois. Donc ça veut dire qu'il reste quand même plus de 3 ans de projet qui sont chez nous. Et c'est sur ces 3 ans de projet qui sont chez nous qu'on va pouvoir optimiser. Derrière, ce n'est pas parce que ce n'est pas chez nous qu'on n'est pas capable de sécuriser, en revanche. Ça dure 6 mois, bon, bah, ça dure 6 mois, mais on est capable de mettre les bons garde-fous pour que ça dure 6 et que ça dure pas 8 ou 12. Là aussi, dans une logique de client-fournisseur, en s'assurant qu'on a bien tout baqué en amont, qu'on a et qu'on produit l'ensemble des livrables qui sont nécessaires à ces certifications. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup qui se passe en interne. La méthodologie d'analyse de risque. Alors, l'AMDEC. Alors, mon approche, alors les AMDEC, il faut en faire parce que, parce qu'on est, on est certifié, ça fait partie des bonnes pratiques. Il ne faut pas confondre l'AMDEC, c'est-à-dire une AMDEC produit, qu'est-ce qui pourrait planter dans mon équipement une fois qu'il est chez mon client, avec une analyse de risque sur un projet de développement. L'analyse de risque sur un projet de développement, elle se veut plus pragmatique. Et donc, on va essayer de trouver voilà, quelques ordres de grandeur sur voilà, les dépassements passés, les ruptures technologiques potentielles, enfin, ce type d'indicateurs pour identifier les zones où on pense que, qu'il faut travailler en particulier. Et derrière, oui, on va utiliser des méthodes d'AMDEC, mais très simplifiées, en disant on va faire la liste des risques, on va les chiffrer en occurrence et en impact. Et c'est sur la base de cette liste et de l'analyse d'impact qu'on va mettre en place des mesures de sécurisation. Et donc, ne pas confondre les deux. Alors, derrière, donc à l'issue de cette étape, on a une bonne vue. Donc consolidé, c'est on a refait le planning de développement du produit, on a une bonne vue de où on va atterrir et combien ça va nous coûter. On s'est aperçu qu'il y avait des écarts ou des risques qui peuvent être majeurs, hein. On l'a vu ici sur le software. On s'est attelé à les réduire, à les sécuriser, notamment avec un travail collaboratif entre les clients et les fournisseurs internes. L'exemple, c'était le software avec le marketing pour identifier de quel feature on va vraiment embarquer sur notre produit. Et derrière, bah, il s'agit de. On a travaillé pendant quelques semaines, mais c'est que le début de l'aventure parce qu'il reste bah, tout l'équipement à développer. Alors, y a un point qui est essentiel à ce stade, c'est les outils. Donc, sur les outils, moi, ce que je recommande, c'est de trouver deux bons types d'outils si vous ne les avez pas déjà en place. Un outil de gestion de projet et un outil de pilotage budget-activité intégrée. Donc, l'outil de gestion du projet, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on veut animer une équipe en mode activité, c'est bien d'avoir ce type d'outil qui va reprendre la vision value stream mapping qu'on avait, qui va permettre d'animer l'ensemble de l'équipe sur du management collaboratif, y compris à distance, hein, si vous êtes sur du multisite ou même pour des groupes internationaux, plutôt que ce qu'on voit habituellement, qui sont des revues de MS Project avec 350 lignes dont la plupart sont obsolètes, ou bien des listes d'actions sous Excel. Donc il y a des outils là, j'en ai mis un, c'est iObeya qui est vraiment très très bien, qui permet de manière simple de piloter un projet assez haut niveau et qui est vraiment très efficace, surtout quand on est sur du multisite. Donc ça, c'est pilotage en mode activité. Et le deuxième, c'est si on veut avoir un bon suivi du budget et des activités, il faut aller au-delà du juste suivi a posteriori du budget, hein, le cas dans lequel on était, et travailler sur des softs qui permettent de suivre en temps réel combien on a dépensé finalement combien on a qu'est-ce qu'on a livré et de combien on a avancé. Donc le combien on a dépensé, ça va être basé généralement sur les timesheets, et le combien on a avancé,
ça doit être l'input des différents pilotes des fonctions, donc le hardware, le software, etc., sur la base de cette revue d'activité. Donc j'ai mis quelques noms, il y en a d'autres qui existent, mais d'avoir cette dualité, un, management visuel, deux, pilotage, budget et activité, c'est vraiment très important, permettre de suivre le projet au fil du temps. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, le Covid. Alors, oui, le Covid, merci. J'y viens justement. Un point sur le Covid. Le Covid on peut distinguer deux types d'impact hein, dans les programmes de développement. Un impact qui est l'impact de planning, c'est-à-dire pendant 2 mois, bah, j'ai eu mes équipes à domicile. Si elles étaient censées faire des essais sur des protos, bah, elles l'ont pas fait. Ou bien on n'était pas forcément équipé pour que ça se fasse de manière fluide le travail à domicile. Donc c'est un. Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Arriver à l'estimer et voir si derrière, bah, si le time to market était vraiment critique, les arbitrages qu'il faut faire pour pouvoir rattraper. Et le deuxième impact, c'est l'impact sur les fournisseurs critiques. Là, en l'occurrence, sur ce projet, ce qu'il a fallu faire, c'est aller s'assurer que les fournisseurs des sous-ensembles critiques allaient survivre à la crise. Et donc ça, c'est le premier point. Donc quel est l'impact sur leurs finances? Et du coup, est-ce qu'il faut qu'on s'enquière d'un plan B ou pas, d'une deuxième source? Mais aussi, pas seulement est-ce qu'ils survivent maintenant, mais aussi quel va être l'impact de la sortie de crise. Je vous donne un exemple. Si vous avez un fournisseur de pompes qui est qui vous fournit, mais qui fournit aussi l'automobile, il va continuer à vous fournir pendant la crise, il n'y a pas de problème puisque l'automobile ne commande plus rien. Mais en revanche, en sortie de crise, ou peut-être même quand vous allez rentrer en vie série, c'est au moment où la production automobile va reprendre. Et derrière, bah, si vous n'êtes pas fournisseur le plus prioritaire chez lui et que Renault ou Valeo fait des commandes par dizaines de millions, bah, potentiellement, il va privilégier ces fournisseurs-là. Donc il ne faut pas seulement regarder est-ce qu'il va survivre, mais aussi en sortie de crise, comment ça va se passer, et notamment face aux autres secteurs que ce fournisseur fournit. Donc bah derrière, la bonne pratique, ça va être de regarder l'impact concret sur le planning et de faire une revue complète avec les achats des fournisseurs, de bah, qui va survivre, qui risque de disparaître. Ceux qui risquent de disparaître, eh ben, j'essaie de trouver une deuxième source. Et ceux qui survivent, bah, malgré tout, s'enquérir de la sortie de crise et de comment ça va se passer. In fine, si on reprend la courbe que je vous avais montrée, où au démarrage du projet, ce qu'on montre, c'est un spectre de risque qui est assez large, hein, d'incertitude, à la fois sur le coût, combien ça va me coûter, mais aussi sur combien de temps ça va durer. Une fois qu'on a refait cette photo de départ et qu'on a reconstruit chacune des activités et sécurisé avec les équipes, on réduit ce spectre. Ce qu'il faut bien mesurer, hein, c'est que on n'est jamais au risque zéro. Donc il y a forcément des choses qui peuvent arriver, et c'est la vie des projets. Mais en revanche, on a réduit le potentiel d'incertitude et on est capable, avec les outils qu'on a mis en place, de venir gérer ces risques au moment où ils vont survenir. Donc ça, la vision, autant la vision première était finalement inacceptable, autant la vision seconde se rapproche de la vraie vie d'un projet de développement, peu importe son industrie. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on obtient au bout de 4 mois. 4 mois pour consolider, analyser les risques et les sécuriser, et puis mettre en place les outils de suivi. Alors, attention, hein, ce n'est pas 4 mois pendant lesquels le projet s'arrête. C'est-à-dire, on met tout le monde en pause, on prend 4 mois pour travailler et ensuite on reprend. Ça se fait en parallèle. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une équipe dédiée. Donc, une vision objective d'un acteur extérieur, ça peut être intéressant. On peut le faire tout seul, évidemment, si on a des équipes pour. Intégrer le chef de projet, et puis il faut que dans la core team, on ait des représentants des principales équipes. Donc voilà, là, en chiffres, hein, si on réduit l'incertitude de 8 mois, donc c'est quand même considérable. On a une meilleure transparence sur le coût des activités du projet. Et puis derrière, on a un produit finalement qui a des spécifications qui sont vraiment réalistes par rapport à ce qu'on peut sortir dans les temps impartis. Donc en synthèse, si vous devez retenir la façon d'aborder, c'est un, le premier levier, c'est
consolider un planning de développement en vous efforçant vraiment de travailler dans une logique activité et client-fournisseur. Et puis aussi, assurez-vous que vous avez des méthodes de chiffrage qui sont les mêmes et qui sont homogènes dans les différentes fonctions de votre entreprise. Ensuite, le deuxième levier, c'est une fois ceci fait, identifier les risques principaux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer et regarder quel est l'impact finalement technique sur mon produit, économique, combien ça va me coûter et sur le planning. Ensuite, souvent, il faut savoir arbitrer entre les spécifications à développer, le coût et les délais. Et pour mettre tout ça en face, on va regarder avec une logique d'analyse de la valeur, combien ça me rapporte et combien ça me coûte. Et puis, on met tout ça dans la même unité avec une logique de net present value. Ensuite, le levier 4, c'est de déployer les outils efficaces de gestion de projet. Donc, il y avait un, le management visuel, et deux, c'est vraiment consolider le budget et les activités au sein d'un même outil. Puis, dernier point sur le Covid. Donc, c'est Covid, essayer de regarder les deux angles, hein. C'est les activités, combien de temps j'ai perdu potentiellement. Et deux, c'est sur les fournisseurs critiques. Est-ce qu'ils seront toujours là demain? Et s'ils sont là, quels peuvent être potentiellement les impacts sur mes appros et notamment en vie-série. Posez quand même la question des secteurs d'activité. Est-ce que c'est un pur medtech, auquel cas très bien, s'il fournit l'aéro ou l'automobile, en tout cas des secteurs qui sont sur des cycles différents, il pourrait y avoir des impacts pour plus tard. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? À ce stade, la suite Office n'est pas suffisante, mes coûts IT ont explosé avec le Covid, Zoom, etc. Alors c'est vrai que la suite Office, il y a un outil qui est utilisé de manière très fréquente, c'est MS Project. Alors est-ce que MS Project permet de suivre un projet? C'est fait pour. La question avec MS Project, c'est pas tant, c'est un peu comme PowerPoint. Hein. Tout le monde utilise PowerPoint. Maintenant, ceux qui utilisent vraiment bien PowerPoint, ils sont pas très nombreux. MS Project, c'est pareil. MS Project, il y a des biais dans l'outil qui font qu'on a tendance à aller à la micro-activité, c'est-à-dire que vous allez avoir dans un outil le hardware, dans le hardware des grandes activités, et puis ensuite le micro-management. Du hardware au sein de cet outil-là, qui est souvent entre les mains d'un chef de projet. La vérité, c'est que quand on reprend au bout de 3 ans le MS Project qu'on avait fait au départ, il est complètement obsolète et vous avez des méthodes de pilotage de projet parallèles qui se font avec des Excel, avec des papiers, avec plein de choses. Donc la question, c'est oui, suite Office, c'est bien. Project, ça peut marcher. Je vais vous donner un ou deux conseils. Le premier conseil, c'est que le MS Project qui est chez le chef de projet, il doit être au niveau activité générale. C'est-à-dire qu'il doit avoir les grandes fonctions, il doit avoir les activités, mais ça va être quelques dizaines de lignes maximum. Et là, ce n'est pas sa responsabilité d'aller faire le micro-management de chacune des fonctions et d'aller regarder si le drawing numéro 2842B a été sorti à temps par l'ingénieur Durand. Son rôle, ça va être d'intégrer les données qui vont venir des métiers. Et donc, le micromanagement des équipes doit être fait dans les fonctions. Et le rôle du chef de projet, ça va être de plutôt piloter les grandes activités et grâce aux autres outils, comme IOBEA, qui est pas très cher, hein, c'est de l'ordre de 1500 euros par an ou quelque chose comme ça, de pouvoir, de manière hebdo, s'assurer que le micromanagement se passe bien au sein des fonctions et que la deadline de la macroactivité va être tenue. Donc ça, c'est vraiment le conseil, c'est de conserver chez le chef de projet, dans Project, une vision macro et que la vision micro soit vraiment déportée dans les fonctions. Après, pour ce qui est, le deuxième conseil, c'est sur le... Dans la suite Office, oui, il y a Teams qui marche très très bien. Alors c'est comme Zoom. L'avantage c'est que c'est intégré. Si vous êtes sur la suite Office, vous pouvez envoyer des invitations à vos équipes ou faire des points réguliers dans l'outil, dans Outlook. Et derrière, ça vous ouvre vos réunions Teams. Donc ça permet d'éviter l'enchaînement des couches d'appli. Et derrière, vos équipes savent pas si elles doivent vous répondre par SMS, par Slack, vous appeler sur Zoom ou vous écrire un email. Donc si vous êtes sur la suite Office,
Rester sur la suite Office et dans MS Project, le chef de projet, c'est au niveau macro et c'est le niveau micro-management, c'est dans les fonctions. Comment puis-je sécuriser ma supply chain pour la deuxième vague? Pour la deuxième vague en septembre, sécuriser ma supply chain. Donc j'imagine que vous parlez des approvisionnements, ou en tout cas des fournisseurs. Là, on déborde un peu du pur programme de développement. C'est un travail qui doit se faire avec vos achats. Ce que certains acteurs ont mis en place et qui marche bien, c'est un monitoring régulier, c'est-à-dire je vais récupérer des infos financières et je vais avoir une discussion avec mes fournisseurs toutes les semaines, mes fournisseurs critiques. Et je vais piloter les risques auprès de mes fournisseurs en fonction de sur quel secteur ils sont. S'ils sont sur le secteur aéro, par exemple, où vous avez un drapeau rouge, ou automobile, et de se dire, ceux qui sont vraiment à risque maximum, je vais travailler sur des deuxièmes sources. Donc c'est comme ça que je comprends votre question. Donc là, c'est vraiment un travail avec les achats. Si vous avez des questions plus précises, sur ce point-là, la deuxième vague, écrivez-moi un mail et je vous montrerai quelques exemples de ce qui peut se faire en termes d'achat. Vous installez des IOBA. Alors, c'est un peu pareil pour tous les outils. Installer un outil, c'est facile, hein. Vous cliquez, vous enregistrez l'application, paf, vous avez l'outil, vous vous inscrivez, ça prend 10 minutes. La question, c'est pas tant d'installer l'outil, hein, c'est vraiment de bien servir de l'outil pour la gestion du projet. Donc, IOBEA, ce qui va faire qu'IOBEA va marcher. C'est deux choses. C'est le bon renseignement d'IOBEA et ça va être les rituels de management de projet. Donc ça va être, un, il faut que ce qu'il y a dans IOBEA, ça soit juste, parce que sinon il ne marchera pas mieux que Excel ou que Project. Donc c'est vraiment la qualité des renseignements des activités qui vont parvenir des fonctions et du système engineering. Et derrière, ça va être la régularité et la bonne animation des rituels, alors souvent hebdomadaires, de pilotage du projet. Ce qui marche bien, c'est vous planter tous les lundis à 10h, de 10h à 10h30 ou de 10h à 11h, la réunion hebdo du projet scanner IMZ 28. Et là, vous avez les principaux responsables des fonctions qui sont là, le chef de projet, et ce que vous allez partager, c'est ce qui a été réalisé la semaine d'avant. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce que ça a bien avancé? Et ce qui reste à faire? Et se dire, OK, bah, l'activité hardware H2, elle est censée se terminer dans 2 semaines. Est-ce que monsieur hardware ou madame hardware, tu es toujours en ligne? Oui, non, non, il y a un risque parce que mon fournisseur interne ou mon client interne m'a demandé ça en plus, il y a une spec de marché qui a changé, etc. Et à ce moment-là, bah, c'est, on va dire, dans la qualité de ces échanges qu'on va mettre à jour l'outil de manière efficace et qu'on va pouvoir piloter les risques. Donc, IOBEA, c'est simple à installer, c'est beaucoup de rigueur pour le construire et ensuite, c'est de la rigueur pendant 4 ans pour suivre le projet avec IOBEA. Bon, écoutez, je pense que, enfin, j'ai l'impression, Federico, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. J'ai pas compris si vous faites de la PMO pour vos clients ou si vous intervenez seulement au début du projet. C'est les deux. En fait, ça dépend. Je vais vous dire, ça dépend. Ces différentes expertises qui interviennent en début de projet ou bien dans le PMO. Si on regarde, là, les conseils que je vous ai donnés, c'est des conseils génériques, des bonnes pratiques que chacun devait mettre en place, seul ou avec des autres. Nous, notre rôle, concrètement, ça va être d'apporter de la structure, les bons outils, des benchmarks aussi, parce que parfois, c'est difficile de se dire, bah, j'ai mis tant pour une activité, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Donc c'est vraiment de faire ce travail de structuration, donc les fameuses phases 1 et 2 qu'on avait hein, là, c'est de dire c'est quoi la bonne photo de départ? Est-ce qu'on a bien vu ou est-ce qu'on s'est trompé?
Deux, c'est faire l'analyse de risque de manière efficace, donc sans rentrer dans la logique AMDEC projet avec 28 000 lignes, c'est de dire, OK, manière très pragmatique, qu'est-ce qui pourrait mal se passer et de quoi on a besoin sans sur-ingénierer, sans sur-outiller la gestion de projet. Et trois, effectivement, en deuxième phase, on est capable aussi d'accompagner un développement jusqu'à son terme, de mettre en place les rituels, de gérer les risques qui peuvent subvenir. À côté de ça, il y a aussi souvent des enjeux de gestion des coûts du projet. Le prochain webinaire, d'ailleurs, ça sera sur le design to cost et comment est-ce que je pilote le coût de mon produit unitaire. Et donc souvent, quand on intervient, ce n'est pas uniquement dans une logique de PMO, mais c'est tout au long du projet aussi sur la gestion des coûts complets du produit. Maintenant, il y a pas mal de cas où on a des chefs de projet efficaces et bien équipés, bien outillés, qui peuvent derrière piloter leur projet en autonomie. Et puis, même si on intervient au début de la PMO, la fréquence d'intervention est souvent plus importante au début qu'à la fin où toutes les équipes sont montées en maturité. Bon, écoutez, derrière, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire par email. Alors, je ne sais pas si mon email est dans la présentation. En tout cas, on vous le fera parvenir avec la présentation. Le prochain sujet dont on va parler, c'est, vous vous souvenez de la Net Present Value, il y a un des axes qu'on n'a pas travaillé qui est comment est-ce que je maximise la profitabilité de mes produits. Et donc là, ça va être le design to cost, donc comment est-ce que je développe un produit à coût optimal. Donc ça, ce sera pour les prochaines semaines. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent dans le secteur du DM, du dispositif médical, n'hésitez pas à les partager par retour de mail ou là dans le chat avant de partir. Et puis, on mettra ça au programme parce que le but, c'est que ce soit vraiment sur des sujets qui sont au cœur de vos préoccupations. La présentation sera envoyée à tout le monde, à tous les inscrits avec un replay. Pour avoir le son, l'image. Donc ça sera fait dans les prochains jours. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, il me reste qu'à remercier Federico pour sa modération. J'espère que la session vous a plu. Il y en aura d'autres. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine.